Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo All Sports. On commence avec cette information, où Barcelone et le Real Madrid pourraient rompre leurs bonnes relations, après la déclaration de Madrid sur l'affaire Negreira. Le Barça est surpris et déçu, ce que nous rapporte le journal Rulé Catalunya Radio, ce qui va nous proposer des matchs surchauffés dans les classicos à venir. Le Real Madrid veut signer Kylian Mbappé, mais espère pouvoir le signer sur un transfert gratuit à la fin de son contrat avec le PSG en 2024. C'est ce que rapporte Dario de Journal As. En Angleterre, Arsenal conserve son statut de solide leader en battant 3-0 l'équipe de Fulham. Et Manchester City de son côté, a battu l'équipe de Crystal Palace 1-0 dans un match compliqué grâce au cyborg. Manchester United n'a pas pu faire mieux qu'un triste nul marqué par l'expulsion de Casemiro. Casemiro va donc rater 4 matchs. De quoi le calmer un peu. En France, Paris reste leader grâce à sa victoire 2-1, à Brest grâce à Carlos Soler et Kylian Mbappé. A rappeler que Mbappé a marqué le 3000e but de Paris en première division. En Allemagne, Bayern reste leader à 2 points du Borussia Dortmund, après sa victoire contre Augsbourg, 5-3. Le Bayern toujours invaincu à domicile cette saison. En Italie, victoire de Naples 2-0 face à l'Atalanta, une victoire qui permet à Naples de rester un solide leader à 68 points au classement, loin devant l'Inter Milan 50 points. A noter la défaite de l'AS Rome à domicile 4-3 face à Sassuolo. En Espagne, le Real Madrid a battu l'Espagnol de Barcelone 3-1, grâce à des buts signés Vinicius, Militao et Asensio. Et le FC Barcelone a battu difficilement Bilbao 1-0, grâce à un but de Rafinha. Barcelone reste solide leader, à 9 points du Real Madrid. La fin s'annonce un peu compliquée pour le Real Madrid. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour que plus de gens puissent la voir. Merci.